Salut mon gars, chaque semaine FaciBet retrace la carrière d'un footballeur et cette semaine on est à Marseille et on parle de lui. Tu l'as reconnu, c'est Dario Benedetto, le nouveau buteur marseillais. Ouais Dario, mais tu le connais vraiment? Allez, voici des infos sur lui. Il est né en Argentine, à Buenos Aires, et puis dès son plus jeune âge, il est passionné par le foot et la musique. Il traîne avec un ballon dans les pieds, participe à des tournois, et à l'âge de 12 ans, il passe un test à l'Independiente, il intègre l'équipe des jeunes, et puis c'est la première fois qu'il joue dans une équipe à 11. Il a 12 ans, sa mère vient le voir jouer au foot, et là c'est le drame, puisqu'elle est dans les tribunes, et elle est frappée par un AVC, elle décède, il arrête tout, il arrête le foot, et il va aider son père en tant que maçon, et il va lancer un groupe de musique avec son frère. Il a 16 ans, il a un déclic, il veut devenir footballeur professionnel, il intègre l'équipe d'Arsenal de Sarandi, mais en même temps il aide son père et son premier match pro sera en 2007 face à Boca Juniors. Benedetto, Benedetto per la carriera, tira il gol di Samo. Benedetto. Benedetto gol. À la suite, c'est une succession de prêts. Justement, au Gymnasia, il est surnommé El Diablo, il claque 11 buts en 19 rencontres. Il retourne à Arsenal et remporte le tournoi de clôture de 2012, mais il n'arrive pas à s'imposer, il change de pays, direction le Mexique, Tijuana, montant du transfert 1,5 million d'euros, et là il marque les esprits directement puisqu'il claque un triplé dès son premier match. I feel good. 23 buts en 50 matchs, ses performances ne passent pas inaperçues. Club America le recrute, montant du transfert 6,5 millions d'euros. Et il va participer à la Ligue des Champions CONCACAF. Il va remporter cette compétition, claquer un quadruplé en demi-finale, un but en finale. Il est soulier d'or de la compétition, élu meilleur joueur de la compétition. Et l'année suivante, il remporte encore la Ligue des Champions. C'est l'heure de rentrer au pays. Son club de cœur, Boca Junior, lui fait un appel du pied. Il n'hésite pas à rejoindre ce club, montant du transfert 4,5 millions d'euros. Il réalise le rêve de sa mère, porter le maillot de Boca Junior. Et il ne va pas décevoir les supporters. El Pipa va empiler les buts, va finir meilleur buteur du championnat et va remporter la compétition 2 années consécutives. Benedetto, attention Benedetto. Benedetto, 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 que va ser Benedetto, Benedetto. Vente para Benedetto, libre Suki en la derecha. Benedetto. Ahí está Benedetto, va. Dans le même temps, il est appelé pour la première fois en équipe argentine. Il côtoie Lionel Messi. Il remplace Dybala contre le Venezuela et titulaire face au Pérou. Au total, il compte 5 petites sélections. Dybala coming off. Un coup dur pour lui, il se fait les ligaments croisés, rate la Coupe du Monde et il a du mal à retrouver ses sensations, mais ça n'empêche pas l'OM de s'intéresser à lui cet été. Gignac le conseille au président de l'OM et il débarque sur la Canebière, donc cet été, montant du transfert 14 millions d'euros. Inconnu du grand public, les Marseillais se demandent qui est ce Benedetto, mais pourquoi l'avoir recruté? Il a 29 ans, il découvre seulement l'Europe et le premier match face à Nantes ne va pas les rassurer. Et là, quand il a raté son pénalty, tu lui dis quoi? Bah, c'est un nouveau Mitroglou. Oh, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait là? Et puis ses déclarations, le ballon est trop léger, les défenseurs sont trop costauds, et même Palois, il l'a taillé. Il a rien fait cet après-midi, donc on verra ça dans la suite du championnat. Bon, bah là, il a rassuré tout le monde, hein, puisque maintenant, il marque but sur but. Tous les 88 minutes, il y a un but de Benedetto. Les supporters sont rassurés, c'est la nouvelle Coqueluche. C'est un nouvel star, c'est sûr. Après, on verra. Après, on verra pas la saison. Très efficace devant le but. Ça nous change de toutes les petites chèvres qu'on a eues avant. Après, la Grinta, quoi. Direct du Sud, un Argentin, un vrai en dur. Je trouve que ça dure. Voilà, mon gars, tu connais un peu plus Dario Benedetto. Et puis, ne me laisse pas dans le vent. Hein. Like, partage. Et abonne-toi, pas si bête. Dans ce moment, là, c'est le nouveau Mbappé.